Créer son premier business peut sembler être une tâche insurmontable qui va vous demander du temps, de l'argent, des connaissances, un mentor, bref, on dit tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Mais la vérité, c'est que tout ça est faux et c'est ce que j'ai appris depuis plus de 6 ans maintenant à lancer plusieurs différents business dont certains ont échoué, d'autres ont seulement été testés et même d'autres ont très bien réussi. C'est accessible à tous, mais par contre, il faut que vous connaissiez ce process. Et ce process-là dont je vais parler aujourd'hui, qui est un process en 5 étapes, il faut savoir que c'est celui qui m'a permis de lancer mon projet e-commerce Central Mart qui a généré plus de 340 000 euros de chiffre d'affaires, ou encore de valider l'idée de mon nouveau projet e-commerce Vundl sur lequel je compte pour atteindre le million d'euros. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment lancer votre premier business. Et maintenant, dès qu'on vous parlera d'une nouvelle opportunité, dès que vous aurez une nouvelle idée, au lieu de procrastiner, de ne pas passer à l'action, vous aurez tout pour tester, lancer et avoir vos premiers succès. On passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Étape 1, trouver la bonne idée. Il faut savoir qu'il y a deux types d'idées. Il y a les idées dont quelqu'un va vous parler. Par exemple, moi, dans ma dernière vidéo, j'ai exposé, selon moi, le meilleur business à lancer lorsque l'on est débutant, qui est l'achat-revente. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait, où je décompose chacun des top business français et je vous explique pourquoi, selon moi, est-ce qu'ils ne sont pas forcément intéressants à lancer en tant que débutant. Donc ça va être des idées en quelque sorte d'Internet. Il faut faire attention à ces gens-là parce que généralement, on a un intérêt à vous proposer ces idées-là. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai 2 e-books de formation. Donc, c'est clair que derrière, je vais récupérer de la publicité pour mes e-books, je vais faire plus de ventes, etc. Après, moi, je sais comment je fonctionne et jamais je vous dirai que c'est la meilleure idée de business à lancer si je n'étais pas confiant à 1000%. Et ensuite, vous avez un autre type d'idées. Et donc là, c'est les idées qui jaillissent, je sais pas, comme ça, du jour au lendemain. Vous vous réveillez un beau matin. Ah ouais, peut-être que ça peut être une bonne idée. Ou bien, je sais pas, vous avez des compétences spéciales, vous êtes dans un marché un peu spécifique, vous avez des grosses connaissances dans ce marché-là et vous dites, là, je sens qu'il y a un petit trou où justement, il n'y a personne. Et il y a justement de la demande, il y a un petit problème à résoudre, pourquoi pas lancer un business là-dedans et voir si ça marche. Donc voilà pour résumer en quelque sorte les deux types d'idées qu'on distingue. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore d'idée, il existe une façon de la trouver parce que je sais que moi j'étais dans ce cas-là et je voulais vraiment trouver une idée de business à lancer, donc je regardais partout, etc. Mais il n'y a rien de plus simple, c'est de prendre un carnet et de noter, je sais pas, toutes vos forces, vos faiblesses, les compétences que vous faites, là où vous êtes vraiment bon, et de lister sur votre carnet 10 idées, 15 idées de business à lancer. Une fois que vous avez ces 10-15 idées, vous allez vous concentrer sur ceux qui résoutent vraiment un problème. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais créer un business, c'est simplement résoudre un problème. Et c'est pourquoi je vous déconseille, si vous êtes un débutant, si vous commencez, de vous lancer dans la création d'une marque. Parce que créer une marque, ce n'est pas vraiment résoudre un problème. Après, voilà, il y en a qui vous diront que c'est un message, etc. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Donc, une fois que vous avez cette idée, donc que vous l'ayez listée sur votre note ou bien que vous l'ayez depuis quelques mois, on va procéder maintenant à l'étude de marché. Attention, l'étude de marché, c'est loin d'être ce que vous allez apprendre en étude de commerce. Je sais parce que j'en ai mangé, mais en vrai, c'est juste regarder qui sont vos concurrents, regarder le capital qui va être nécessaire pour commencer. Vous avez déjà ce capital-là dans vos comptes ou bien est-ce que ça va être facile de se le procurer? Quelles compétences vont être nécessaires? Est-ce que vous avez besoin de recruter certaines personnes, etc. Donc vous allez poser un peu toutes les bases, mais également regarder ce qui est fait par vos concurrents. Qui sont vos concurrents? Quels sont plus ou moins leurs résultats? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes? Et pour cette partie, je vous conseille de laisser un peu réfléchir parce que c'est vrai que de base, on peut se dire, voilà, faut que je lance maintenant et moi le premier, je suis dans cette situation. Ok, là, j'ai trop envie de lancer ce business. Mais vous voyez que, en fait, 2 semaines après, bah, c'est peut-être pas l'idée du siècle et que, en fait, il y a déjà lui qui n'a pas tant de résultats que ça. Donc, au final, ça vaudra pas vraiment le coup. Donc, voilà, c'est pourquoi je vous conseille vraiment d'analyser un maximum vos concurrents et d'essayer de lire, en fait, dans tout ce qu'ils vont vous donner comme information sur eux pour définir si oui ou non c'est un excellent business. Exemple pour ma part avec Vundl qui est donc mon projet e-commerce actuel, ce que j'ai fait c'est que je savais qu'il y avait beaucoup de demandes pour des fournisseurs de vêtements parce que moi le premier, quand j'avais ma première boutique e-commerce Central Mart, je cherchais constamment des nouveaux fournisseurs et c'était ultra compliqué de se fournir. Donc en communiquant en plus avec d'autres fournisseurs qui me disaient « Attends, là on est sous l'eau, on a trop de demandes, je te réponds dans 1 semaine parce que là je peux pas tout gérer. » Moi je me dis quoi? Je me dis pourquoi pas lancer quelque chose comme ça? Je vois qu'un de mes concurrents il est sous l'eau parce qu'il est débordé, il avait montré ses chiffres, c'était quand même impressionnant. Moi j'avais tous les contacts, je me suis dit « Bah let's go, on va tenter ce marché, on va tester
mon idée et autant ça prend, autant ça ne prend pas. Et la réalité, c'est que ça a pris et aujourd'hui, ça a donné le projet Vendel. Donc voilà, tout ça pour vous dire de chercher un maximum d'informations sur le business que vous voulez lancer avant d'ensuite passer à l'étape 2. Avant de passer à cette étape 2, définissez bien quelque chose que vous allez faire de différent par rapport à vos concurrents. Si vous êtes le premier sur le marché, c'est bien, mais c'est dangereux parce que l'idée de business n'a pas encore été testée. À moins que ça cartonne aux États-Unis, en Angleterre, je sais pas. Mais s'il y a personne qui ne le fait, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Donc une fois que vous avez cette idée et que vous pensez avoir la bonne idée, on va passer à l'étape 2. Mais avant de passer à la prochaine étape, si cette vidéo t'a transmis un peu de valeur ou que t'as appris des choses, je t'invite tout de suite à t'abonner, activer la petite cloche des notifications et bien sûr liker, commenter la vidéo. Comme d'habitude. Et bien sûr, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste ici pour que vous puissiez me poser toutes vos questions. Je réponds à tous mes DM. Et bien sûr, c'est de là que je lance tous mes lives une fois par semaine. Il n'y a pas encore de date régulière. Vraiment, rejoignez-moi sur Instagram. Comme ça, vous saurez quand est-ce qu'on va faire un live. Et donc voilà l'équipe, on passe tout de suite sans plus tarder à la prochaine étape. Donc là, l'étape 2 consiste à conceptualiser, visualiser votre produit. C'est aussi ce qu'on appelle le MVP. Donc là, l'objectif, ça va être de tester directement votre produit sur le marché. Attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas que votre site web soit parfait, que votre publicité soit parfaite, que vous faites une collaboration avec un influenceur. Non, le but de cette étape, c'est de mettre sur le devant de la scène votre produit, de tester un peu la demande, de tester aussi comment les gens sont réceptifs à votre produit pour ensuite pouvoir lancer l'étape 3. Et donc, c'est là, dans cette étape 3, où on consolidera votre offre, votre produit, etc. Mais de base, l'étape 2, ça doit juste être un test. Vous devez tester votre produit avec le moins de ressources possible. Il faut que ça vous prenne le moins de temps, le moins de capital pour que comme ça, si votre idée, au final, vous en rendez compte qu'il n'y a personne qui est intéressé, vous n'avez pas dépensé des centaines de milliers d'euros ni passé un an avant de le mettre sur le devant de la scène. Là, vous avez un test en temps réel, soit ça passe, soit ça casse. Si ça casse, tant pis, on passe à un autre projet. Et si ça passe, là, on passe à l'étape 3. Et ce qui est excellent sur cette étape, c'est que vous pouvez collecter aussi des leads. Ces leads-là, c'est donc des gens qui sont potentiellement intéressés par vos produits. Donc, par exemple, nous, avec Vendel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos premières box en précommande. On avait déjà fait un peu de stock, mais parce qu'on était vraiment des experts de ce marché, on savait exactement ce que les gens attendaient de nous. Mais une fois qu'on avait testé un premier produit, pour tester d'autres produits, on a fait des précommandes. Comme ça, on crée la box sur notre site internet. Et ensuite, j'avais mon associé qui était sur place. Si on voyait qu'une box de vêtements marchait bien, on achetait de plus en plus de stock. Mais par contre, si la box ne marchait pas, on n'achetait pas de stock. On avait perdu 0 euros. On avait juste testé. Et si le test était bon, on avait aussi récupéré des leads, donc des personnes qui étaient potentiellement intéressées et qui, en plus de ça, pouvaient nous aider à améliorer sans cesse notre produit. Parce qu'on a des contacts, on peut leur demander, voilà, est-ce que ça t'intéresserait que je t'échange 20 euros, 30 euros sur ta prochaine commande en l'échange d'une réponse à ce questionnaire ou bien d'un avis sur ta commande, etc. Et donc, ce concept d'MVP qui signifie Minimum Viable Product, c'est un concept que vous allez retrouver dans le livre Lean Startup d'Eric Ries et je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et donc, cette étape 3 consiste à valider ou non votre MVP. Une fois que votre MVP a été testé sur le marché, vous allez prendre la décision, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête? Bien sûr, si vous vous arrêtez, essayez toujours de repartir sur une nouvelle idée parce que dans le business, les échecs, vous allez en avoir et le plus important, c'est à chaque fois de rebondir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, il faut toujours rebondir, rebondir, rebondir. Et si ce n'est pas le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième que vous lancez, vous verrez qu'au bout d'un moment, c'est certain, c'est sûr qu'il y en a un qui va marcher, qui va vous permettre d'avancer et d'avoir vos premiers vrais résultats. Pour valider ou non votre projet, il faut quand même qu'en 2-3 semaines, vous ayez des résultats qui vous permettent de définir si votre projet est concluant, si votre idée est concluante, s'il y a des gens qui sont là derrière ou bien si l'idée n'est pas ouf du tout et que ça vaut le coup de peut-être revoir toute l'idée de base ou bien de changer quelques trucs qui sont peut-être la raison en quelque sorte de l'échec de votre test MVP. Et enfin, en étape 4, on a donc le lancement de votre produit. Et donc, le lancement de votre produit, là, c'est très simple. Vous avez donc votre idée qui est testée, qui est validée, votre MVP qui marchait déjà. Le plus simple à faire, c'est juste de continuer de travailler votre MVP pour le rendre justement le plus proche de votre produit final. Donc, par exemple, admettons que vous êtes sur un projet e-commerce, vous avez fait votre test de produit, vous voyez que le produit marche. Bah là, vous allez investir beaucoup plus dans la communication, le marketing pour faire connaître votre projet à de plus en plus de monde. Parce que si vous pouvez diffuser votre projet à de plus en plus de monde, plus vous pourrez avoir de ventes, plus vous pourrez investir dans votre marketing, dans vos stocks, dans vos employés,
etc. Et honnêtement, cette étape-là, pour moi, c'est la plus belle. Une fois que tu as testé ton produit, tu sais qu'il marche, bam, tu lances tout. Et là, normalement, c'est l'explosion. En tout cas, c'est là où tu as de l'excitation et que tu te dis, putain, là, j'ai quand même un projet. Genre, je peux l'amener très, très loin. Par contre, il faut vraiment faire très attention à ne pas brûler les étapes. Il ne faut pas aller trop vite. Il y a beaucoup de gens qui favorisent la grosse croissance dès le début, mais qui, au final, n'ont pas pris le temps de bien structurer. Admettons quelqu'un qui vient de lancer son nouveau produit. Son test était bon, le produit, il explose. Mais par contre, le SAV, il n'a pas eu le temps de le structurer. Donc, OK, il va faire beaucoup de ventes sur le moment. Mais sauf qu'au final, quand tu auras tous les problèmes, le SAV, il ne sera pas là. Et donc, tous les clients qui ne seront pas satisfaits n'achèteront plus jamais chez toi. Au final, tu auras juste vu du court terme, tu auras fait ton petit braquage en quelque sorte, mais c'est pas ce que tu recherches. Si tu cherches à lancer un projet, tu cherches que le SAV il soit parfait, que le client soit satisfait, que le client rachète, et très certainement pas qu'une fois. Faut que ton client le rachète 1, 2, 3, 4, 5 fois. C'est ça l'objectif. Donc fais bien attention à ne pas griller les étapes et à bien structurer ton SAV, ton processus de retour avant de maximiser tes ventes. Et ça, de toute façon, ça viendra en étape 5. Et enfin, bien sûr, c'est que dans cette étape 4 que l'on va parler de la structure juridique de votre entreprise. Avant ça, on n'en parle pas du tout. Faut arrêter de se prendre la tête et de se dire « qu'est-ce que je vais choisir pour lancer mon entreprise ?» Déjà, ayez l'idée, lancez l'idée. Une fois que vous avez des tests qui sont validés, que votre idée, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose de gros, qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, là, vous allez faire vos premières ventes. Et une fois que vous avez fait vos premières ventes, que votre produit est réellement lancé, là, vous pensez « ok, j'ai fait quelques ventes, quelle est la meilleure structure juridique à lancer ?» Et généralement, à moins que vous vendez des produits qui ont des sommes à 5 chiffres, que vous vendez des voitures ou quoi que ce soit, moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que tous les comptables conseillent à tous les débutants, c'est de lancer une micro-entreprise. Avec votre micro-entreprise, vous pouvez déclarer du service ou bien de la revente de marchandises. Vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires, vous n'avez pas besoin de comptable. C'est très, très simple à structurer, à organiser. Vous avez toutes les informations en ligne. Vous prenez pas la tête, vous lancez votre micro-entreprise et une fois que vous avez atteint le palier qui est de 45 000, il me semble, en service et un peu moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires en auto-entreprise, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers un comptable et faire des rendez-vous en fonction de vos résultats pour vous renseigner sur le meilleur statut juridique à choisir, celui qui est le plus intéressant pour vous. Mais avant d'arriver à cette étape-là, focussez au maximum sur votre business. Pensez à l'argent, mais une fois que vous avez un peu d'argent, moi je recommande, je sais pas, 5 000, 6 000 euros de chiffre d'affaires. Là, vous pensez vraiment à votre statut juridique et vous commencez avec une micro-entreprise avant de prendre rendez-vous chez votre comptable. Selon moi, c'est la meilleure chose à faire. Et donc, une fois que cette étape 4 est validée, on rentre du coup dans la croissance produit. Donc là, c'est l'étape 5, c'est l'étape scale. Donc c'est l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui avec Vendel. Tous les tests qu'on a pu faire avec Vendel, c'était validé. On a fait 45 000 euros de chiffre d'affaires. On a liquidé tout notre stock. On a des clients qui nous demandent tous les jours c'est quand le restock, etc. Donc voilà, nous on est à l'étape 4 et là maintenant c'est le scale. Donc c'est chercher de nouveaux fournisseurs, acheter beaucoup plus de stock, investir dans plus en plus de marketing, etc. etc. pour que le projet passe de 30 000 euros de CA mensuel à 100, 150 000, 200, 300 000 euros. Déjà ce sera pas mal avant de continuer sur cette croissance là. Mais avant de passer à cette étape là, c'est très important de valider votre idée, votre projet. Et donc là, nous, aujourd'hui, on va focus notre stock, nos relations, notre site web. On va faire monter le SEO. On va travailler de plus en plus de marketing. Donc voilà comment, selon moi, lancer son premier business en seulement 5 étapes. Et honnêtement, toutes les étapes, tout le monde peut le faire. Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est de tester votre idée, la valider. Et une fois que ça c'est fait, là vous rentrez vraiment dans le cœur du sujet, vous rentrez vraiment même dans l'entrepreneuriat en quelque sorte. Et là vous pouvez tout optimiser, créer votre statut juridique, recruter des personnes, investir dans le stock, investir dans le marketing, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous me demandez tous les jours des vidéos sur comment est-ce que vous pouvez lancer votre business, c'est quoi les étapes, etc. J'espère que j'ai été le plus clair et transparent possible, que là, demain, il y a des gens qui vont suivre cette vidéo pas à pas et qui auront des résultats. Bien sûr, si vous avez des résultats, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, Félix-BRGD. De vous abonner aussi, on fait des FAQ, c'est là où je lance tous mes lives parce que aussi on fait des lives avec tous les abonnés une fois par semaine où vous me posez toutes vos questions, etc. Donc rejoignez-moi vraiment sur Instagram, c'est très important. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et vous a transmis un maximum de valeur, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important pour le bien de la chaîne. Voilà l'équipe, c'était Félix et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.